Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo all action puisque j'ai décidé aujourd'hui d'y aller, d'aller faire un petit tour. J'avais besoin de 2-3 petites choses. À la base, pas grand chose, hein, comme d'hab, mais comme d'hab, je ressors avec un sac entier. Et j'ai été épatée de voir qu'il y avait déjà les choses pour la rentrée des classes, des planeurs, tout ce qui est un peu papeterie et pas mal de choses aussi. Enfin, en tout cas, dans mon action, il y avait déjà pas mal de crayons, de stylos, etc. Donc, j'ai quand même craqué pour quelques petites choses. Donc, vous allez voir pas mal de petites choses aussi pour ma classe. Donc, oui, là, c'était en mode maîtresse aussi. J'ai pris d'ailleurs pour ma classe, pour rajouter un petit peu de couleur dans ma classe et avoir quelques petits rangements supplémentaires pour mettre tout ce qui est agrafes, etc., accessoires qui sont plus petits. J'ai pris ces deux petites boîtes. Je vous mettrai à chaque fois les prix sur l'image, comme ça, ce sera plus pratique pour vous. Et honnêtement, je vais voir, je sais pas exactement tout ce que je vais mettre. J'ai pris les deux dernières en fait parce que je me suis dit, si j'en veux une deuxième, elle sera plus quand je voudrais y retourner, hein, on connaît action. Et au pire, si je l'utilise pas, je me ferai rembourser. Mais je les ai trouvées un peu sympas, j'avais envie de donner un petit peu de couleur dans ma classe. Donc vous verrez, j'ai essayé de prendre aussi des petites choses comme ça un peu colorées. On va rester sur les accessoires pour ma classe. J'ai pris ce gros pot de gel pour l'aloe vera, mais en même temps du gel nettoyant pour les mains, histoire de désinfecter les mains de mes élèves et en même temps de les hydrater un tout petit peu, parce que oui, en classe d'habitude on en a, c'est fourni par la mairie, mais là depuis qu'on est en mode entre guillemets sans Covid, la mairie n'a pas rechargé nos bouteilles et du coup bah on en a plus, et moi je veux continuer ce rituel de mettre du gel quand on se mouche, etc. Bah ça fait pas de mal, hein. Et donc bah j'ai décidé d'acheter le mien puisque j'ai pas trop le choix. Et toujours pour ma classe, je me suis pris du Tipex, vous savez, là, le Tipex version Action de la marque Edding, et du scotch, oui, des basiques. D'ailleurs, dans cette vidéo, restez connectés, comme j'ai fait plein de petites trouvailles au niveau planeur et tout, je vous prépare un petit concours avec un petit mot bonus, et sûrement, on se retrouvera aussi sur Instagram. Pour ma fille, je lui ai pris ça, ces petits crayons, c'est des crayons gris, mais qui sont trop beaux, non? Team paillettes, team tout ça, je pense qu'elle va adorer, donc ça je l'ai pris pour l'année prochaine. Oui, je suis en avance, mais je préfère quand je trouve des petites choses, les prendre déjà pour l'année prochaine. J'ai pris une petite troussette comme ça, avec déjà tous les accessoires pour l'année prochaine, en mode compas et tout, elle en a pas besoin l'année prochaine, mais bon, je sais pas si je les retrouverai d'ici là, donc les choses qu'elle aura pas besoin, je les mettrai dans une réserve, mais le reste, elle les utilisera, je pense, l'année prochaine, donc c'est assez mimi, hein. Toujours pour elle, je lui ai pris cela parce qu'elle m'a réclamé vouloir des colles qui sont colorées pour pouvoir voir où elle met de la colle. Parce que moi j'achète d'habitude de la colle transparente ou blanche. Et donc là elle m'a dit je veux des colles colorées comme les copains. Donc je lui ai pris celle-ci qui était chez Action et qui sont des couleurs des ponts en fait, hein, violet, bleu, etc. Toujours pour ma demoiselle, elle a plus de stylos bleus. Je ne sais pas ce qu'elle fait en CP, mais elle les mange, les crayons gris, les stylos bleus. Du coup j'en ai racheté quelques-uns. Et toujours en accessoire, bah en mode pour la classe, pour ma fille, j'ai pris un taille-crayon 2 en 1 comme ça, enfin 4 en 1, de chaque côté il y a un taille-crayon. Parce que le sien commence à partir en cacahuète, donc il était temps que j'en rachète un. Le voici. Il y avait des nouveautés au niveau des planeurs, en tout cas moi c'est la première fois que je les vois, il y avait ces petits planeurs là. Ils sont magnifiques, je vous ferai des zooms, des gros plans pour vous montrer un petit peu l'intérieur, mais ils sont tellement beaux. Il y en avait 3 différents, donc ces deux là. Et une version un peu menthe que j'ai pas prise, hein, j'allais pas prendre tout. Et dans ces deux là je vous demanderai en commentaire de me dire la couleur que vous préférez, la noire ou le rose. Comme ça bah, vous me direz, je tirerai au sort parmi les commentaires et puis la personne bah, aura celui qu'elle préfère. À l'intérieur il y a vraiment des pages sympas, il y a beaucoup de pages to-do list et j'ai trouvé ça sympa. Il y a aussi quelques pages avec les objectifs, les goals, des pages un peu organisation du mois, organisation de la semaine, sans forcément de date, et j'ai trouvé ça très sympa. Des stickers dorés en bonus et des stickers aux couleurs du planeur à la fin. Donc j'ai trouvé ça vraiment, je trouve très simple et très bien. Et pour vous l'offrir en cadeau avec, je vous ai pris une trousse, donc ça dépendra aussi du planeur que vous avez choisi. C'est des petites trousses où il y a écrit Organize. J'ai trouvé très sympa, donc la rose pour aller avec le planeur rose et la noire pour aller avec le planeur noir. Évidemment, il y en aura un lot à gagner pour vous et un lot que je vais garder pour moi, évidemment, quand même. Toujours pour ma classe, je me suis pris cette espèce d'organisateur, je sais pas comment ça s'appelle, un porte-document un peu coloré à l'intérieur pour mettre tous les documents de ma semaine. Il y a 6 compartiments à l'intérieur. Moi je sais pas, j'ai du mal avec mes photocopies, des fois je sais plus où je les ai mis, je sais plus où je les ai posés, et sur mon bureau j'arrive pas à m'en sortir en classe. Donc je me suis dit que j'allais me faire une pochette par jour, comme ça, lundi, mardi, mercredi, etc. J'aurai mes photocopies à chaque fois à l'intérieur. Est-ce que je vais réussir à m'organiser avec ça?
Pour la maison, pour les enfants, j'ai pris évidemment des piles. Pour essayer de filmer des fois sur Insta, etc. Filmer des petites choses, j'ai pris cette espèce de petit trépied qui est tout petit, vraiment à poser sur un bureau, que ce soit pour ma classe ou pour en bas, pour vous filmer des petites choses sur Insta. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'en ai pas des tout petits comme ça qui peuvent être vraiment posés sans avoir un grand trépied. On verra, il était pas très très cher. D'ailleurs ils étaient un peu tous destroyed, donc j'espère qu'il va tenir quand même le coup. Ça doit pas grandir hein, très très haut hein. Il y en avait un autre qui était plus haut, mais il m'intéressait moins. Je suis désolée, tout est un peu mélangé. J'ai pris aussi ces cols là pour moi, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'à la maison j'avais pas de colle pour moi, pour mes petites activités à moi quand j'ai envie de coller un petit truc. Donc je me suis pris celle-ci, puisque toutes mes cols Cléopâtre avec qui je suis en partenariat, mais ils sont à l'école, donc j'ai pris celle-ci pour la maison. Pour mes enfants j'ai trouvé, enfin pour mes enfants ou moi, je vais voir, mais j'aimerais bien en mettre peut-être sur mes baskets blanches, des lacets élastiques qui tiendraient en fait, enfin, ils tiennent pas la forme, mais vous les mettez, vous pouvez logiquement peut-être les régler, je ne sais pas du tout comment ça se goupille ce machin, et bah, ça évite de refaire à chaque fois les lacets, donc on va tester avec ma fille, je ne sais pas si ça en vaut la peine, si c'est vraiment top, mais c'était pas très cher, et en fait on avait besoin de lacets. Dans le rayon un petit peu électronique, tout ça, j'ai trouvé des petites choses pour mon iPhone, donc une coque de protection comme ça, enfin... un carreau de protection qui fonctionne pour iPhone 11, 12, 13, enfin 11, 12 Pro. Et ça, pour mettre derrière une coque d'iPhone. Donc là, j'en ai déjà une sur mon iPhone. Mais pour une prochaine coque où il n'y en aurait pas forcément, j'aime bien en avoir un petit peu en RAM. C'était pas cher ça. D'ailleurs, ils ont eu plein de nouveautés au niveau électronique comme ça. Même les fameux chargeurs ronds que, où vous posez votre téléphone et ça charge votre téléphone. Vous voyez un peu avant, c'était tendance à Ikea et maintenant, bah, y en a chez Action. D'ailleurs je vous mettrai quelques photos ici et là avec les petites trouvailles que j'ai vues chez Action mais que je n'ai pas achetées. Par exemple il y avait des nouveaux parfums qui étaient vraiment sympas, dont un en forme en hibou que j'aurais pu acheter pour ma classe, mais bon je me suis dit que c'était pas utile, donc j'ai résisté. J'ai vu pas mal de petites choses vraiment très intéressantes chez Action. Là il y avait des petites sorties qui étaient vraiment cool, donc je vous mets les photos parce que moi j'ai pas craqué, j'ai résisté. Pour la maison j'ai acheté des sacs de poubelle, du papier toilette, hein, je vous le montre pas, il est déjà dans les toilettes. Un petit truc pour les chaussures blanches, alors je sais pas s'il est top, il coûtait 1€, hein, 99 centimes, mais je me suis dit, ouais, en ce moment j'ai tendance à mettre mes chaussures blanches, et les chaussures blanches ça se dégueulasse très très vite, du coup ça c'est censé faire briller, rénover un petit peu le blanc qui est un petit peu usé, et ça pourra servir aussi pour les chaussures de mes enfants. Pour la cuisine, on a repris ce petit accessoire parce que j'en avais plus, vous savez c'est le petit cleaner là qui est très bien, hein, qui... pas mal. En ce moment j'utilise du vinaigre blanc avec de l'eau et je désinfecte les surfaces comme ça, mais bon, celui-ci il sent très bon. Dans le rayon papeterie, j'ai trouvé ces petits magnettes là que j'ai trouvé trop sympa. Ils coûtaient pas cher, ils sont très mignons, donc pareil pour ma classe, en mode pour mettre sur le tableau quand on accroche des petites choses. J'espère juste qu'ils sont assez résistants parce que parfois ils fonctionnent pas très bien et quand on pose un truc sur le tableau, bah ça glisse avec. Donc là on verra ceux-là s'ils sont un petit peu, c'est des aimants qui sont forts. Et j'ai vu une nouveauté chez Action au niveau beauté. Alors j'ai pas acheté de palette etc, mais j'ai vu des petits vernis. Et en ce moment je remets du vernis traditionnel, je laisse un petit peu de côté mon vernis semi-permanent, mais je vais en remettre très prochainement, hein. Mais là j'avais envie de tester ceux-là. Donc c'est les Max & More, ils ont fait 4 vernis différents, un peu pastel. Et écoutez, là comme ça, le rayon il était complètement neuf. Il venait juste d'être installé je pense, je les ai trouvés trop mignons. Je vais me faire une manicure je pense après celle-ci là, avec les 4 couleurs sur mes doigts et avec un petit jaune que je dois avoir dans mes stocks parce qu'il n'y avait pas de jaune là-bas. J'ai trouvé trop mignon les petites couleurs pastel comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je sais pas du tout la tenue, s'ils vont être bien et tout, mais je n'ai pas pu résister. J'ai craqué pour un petit ensemble pour mon fils à 4,50€, je crois que c'était vraiment pas cher. Un petit pyjama, ou enfin, faites ce que vous voulez, moi je vais lui mettre en pyjama hein. Ouais, j'ai trouvé sympa. Oui, c'est censé être un pyjama. Et du coup, bah voilà, 4€, il est plutôt pas mal. Ça reste très sympa pour 4€ pour un pyjama, c'est très bien. Et pour finir au niveau beauté, j'ai pris juste un grand savon pour les mains, pour mettre dans la cuisine, pour toute la famille, parce qu'on se lave tout le temps les mains. Et c'est vrai que là, j'en avais plus du tout en stock. Mon père m'en avait ramené des kilos, mais là, j'en ai plus. Donc là, c'est quand même 1 kilo. 1 kg quand même là-dedans, hein. 1000 ml, c'est juste dingue, et donc ça reste basique, hein. On verra ce qu'il donne, je sais pas, c'est pas un truc de fou, mais c'est pour se laver les mains. En gourmandise, j'ai pris ça pour logiquement ma classe, oui, c'était un gros pot, ça coûte 2,99€, et ils ont mis plein de gourmandises comme ça, de pots à 2,99€ en ce moment, c'est dans les nouveautés.
Mon fils a voulu prendre ces petites gourmandises là. Alors moi j'aime pas trop ce version caramel beurre salé, mais mes enfants adorent, donc c'est pour eux. Ma fille adore en ce moment les Oreos. Du coup je lui ai pris des Oreos traditionnels et ceux-là version vanille. Je sais pas si elle va aimer, mais bon, ça c'est souvent pour le goûter à l'école. Et pour mes enfants et mon mari, je leur ai pris ces fameux bonbons là, les fameuses roulettes mix qui sont pas mal, hein. Nous on aime bien. Et alors dans le rayon gourmandise, j'ai trouvé ça. Alors vous savez, je suis une grande fan de Reese's, mais j'en ai beaucoup en stock, hein, parce que j'en ai tellement eu en cadeau que je pense que j'ai une réserve pour 2 ans. Hein. Mais là, en tablette de chocolat comme ça, où je pourrais peut-être manger juste un petit carré, j'avoue que c'est nouveau, j'ai jamais testé, j'ai jamais goûté, l'appel de la gourmandise m'a eu, hein. Je n'ai pas pu résister, c'était pas donné, hein, je crois que c'était 2 euros quand même. J'espère que ça en vaut la peine et que c'est vraiment très bon. Je goûterai ce soir, je pense, parce que là juste pour le plaisir. Et évidemment, si vous me connaissez, team peanut butter, hein. Ah, je vous ai pas montré la dernière petite chose que j'ai acheté. Alors je sais pas si mon mari voudra le garder, mais je lui ai pris ça pour la Switch, parce que nous on a une Switch et c'est vrai que quand on va partir en vacances, peut-être l'emmener pour que les enfants de temps en temps jouent à un petit truc ou quoi. On n'est pas très très jeux vidéo, mais même pour la ranger tout simplement, je me suis dit que ça pourrait être pratique. Et éviter qu'après la poussière à la maison. Je sais pas si mon mari va apprécier, mais bon, c'est un gadget encore une fois, j'ai pas pu résister. Du coup voilà pour mon haul action, j'ai été hyper rapide, pourtant j'ai quand même pas mal cracouillé, mais vous avez vu, il y a pas mal de choses pour ma classe, des petites choses pour la maison évidemment, mais j'ai pas tout fait les rayons, hein. Il y a des rayons que j'ai esquivés. Sinon, je crois que j'en aurais eu 2-3 sacs. Sinon, si vous voulez gagner un des planeurs avec les trousses, évidemment, je vous mettrai des stickers avec. Je vous rajouterai des petits stylos et petits tatati. Hein. J'ai toujours plein de petites choses en réserve comme ça à vous faire gagner. Donc, je vous ferai gagner un des lots. Bah, n'hésitez pas à mettre le mot dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Oh, est-ce qu'on met... Team organisation. Ouais, team organisation. Même si je suis pas une grande, grande organisée, j'aime l'organisation et j'essaie d'être de mieux en mieux organisée. Donc, team organisation. Et comme ça, vous serez peut-être tiré en sort parmi les commentaires. Je vous laisse une semaine à peu près pour faire ça. Comme ça, je vous mettrai. Je ferai le tirage au sort ensuite, au bout d'une semaine. Et surtout, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à en mettre plusieurs. Hein, ne vous contentez pas d'un commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, les dernières nouveautés que vous avez trouvées chez Action, les vos derniers craquages chez Action. Voilà. N'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve dans les commentaires et je vous fais des gros bisous. Mais avant, n'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre peut-être potentiellement sur Instagram si vous avez envie de suivre mes aventures. Et peut-être que je vous ferai une vidéo aussi Plan With Me où j'organiserai, où je décorerai un des planeurs. Si ça vous dit aussi, dites-moi tout. Allez, salut!